On se dirige tous aussi vers la marina. On a établi notre poste de contrôle à la marina parce que ça va être la façon la plus facile de sortir les gens. On accueille aujourd'hui plus de 120 personnes qui proviennent d'un peu partout en province et qui sont membres de différents organismes bénévoles, que ce soit en sauvetage, en premier secours, ou en recherche en forêt. Alors, tous ces gens-là viennent ici dans un but commun, soit d'améliorer leurs connaissances dans un domaine d'activité ou dans un autre, puisque de façon simultanée, il y a de la formation aujourd'hui en gestion des opérations d'urgence, en gestion des télécommunications d'urgence et en gestion de victimes multiples. Alors, dépendamment de leur champ d'affectation, les gens ont une formation adaptée en avant-midi et en après-midi. Ils participent à des ateliers qui leur donnent l'opportunité de mettre en pratique les acquis du matin. Et c'est de cette façon qu'on retrouve des gens de l'Armée du Salut, de l'Ambulance Saint-Jean. On a des étudiants de l'UQAM à Montréal. Nous avons des gens de l'organisme CERABEC. Nous avons des gens de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Et l'ensemble de cette journée est organisé par l'Association de sécurité civile du Québec. Et le CIUC, bien, à Drummondville, offre la logistique de ses locaux et de ses espaces pour faciliter le rassemblement de ces diverses personnes qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre dans la communauté québécoise. Tous nos participants aujourd'hui qui sont inscrits à la formation en gestion de victimes multiples sont appelés à regarder des scènes de sinistre et à en identifier les risques, puisque la première information, la première notion que l'on donne à des secouristes, c'est d'abord et avant tout de ne pas se mettre en danger. Alors, sur cette scène-ci, qui figure un accident entre un poids lourd et une automobile, les gens doivent reconnaître les signes de dangerosité qui pourraient les mettre en péril s'ils voulaient s'aventurer à porter assistance. Alors qu'on parle ici de vitres cassées, de matières dangereuses qui s'écoulent, de coussins gonflables qui parfois ne sont pas toujours déployés, c'est autant de risques que les gens doivent reconnaître. Fils électriques, poteaux cassés, donc instabilité d'un véhicule, donc toutes des choses que les gens doivent reconnaître et ils ont à remplir un questionnaire à cet effet qui sera remis et qui sera évalué en fin de journée. Ici, on fait référence à une autre scène là, qui pourrait être vraisemblable. Oui, tout à fait. On s'inspire de l'actualité pour tenter de créer des scènes qui sont vraisemblables et qui sont susceptibles, disons, dans l'esprit de nos membres, de pouvoir survenir. Alors ici, on figure un véhicule d'un kamikaze qui fait exploser son véhicule aux abords d'une estrade remplie de spectateurs qui sont rassemblés pour un événement sportif. Alors, les participants doivent reconnaître également, comme sur la scène précédente, les risques auxquels ils s'exposent s'ils pénètrent sur la scène. Alors ici, il y a des éléments différents. Il y a un mur effondré du bâtiment adjacent. Il y a une estrade instable. Il y a un début d'incendie. Ben, en fait, il y a un véhicule incendié qu'on a dû ici figurer là, avec un peu de boucan simplement. Mais donc, il y a un véhicule incendié, il y a des victimes, il y a encore une fois des matières dangereuses, il y a encore des fils électriques. Alors, les gens doivent reconnaître tous ces facteurs. L'atelier ici, c'est un atelier de triage. Alors, tous les figurants que vous voyez sont des bénévoles qui se prêtent au jeu pour cet après-midi avec des maquillages, je dois le dire, fort réussis et où on découvre également des talents d'acteurs. Ceci étant dit, tous nos participants à la gestion de victimes multiples aujourd'hui ont à passer par cet atelier où ils doivent mettre en pratique les notions de triage qui ont été acquises pendant l'avant-midi. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile, que les gens ne sont pas appelés à faire souvent et qui doit faire abstraction de tout le caractère émotif, de tout le caractère d'urgence pour appliquer des règles qui sont très rationnelles, mais qu'on doit appliquer dans un contexte très difficile. Alors, c'est ce à quoi sont exposés nos participants aujourd'hui. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.